J'espère que vous allez bien. Vous voyez, j'ai la patate, j'ai le moral. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le jeudi 10 février. Je suis en pleine forme aujourd'hui. J'ai bien dormi, on va dire, dans l'ensemble. Mais c'est surtout que j'ai reçu des choses merveilleuses. Je vais tout de suite par vous présenter des petits articles, les petites choses que j'ai à vous présenter. Et après, je vous laisse tranquille avec ça. J'ai reçu deux colis merveilleux. Top, top, top. Un premier gourmand et un deuxième... sublime, vous allez voir. C'est parti, je vous montre ça. Donc du coup, je vous retrouve dans ma cuisine. Comme je vous dis, le premier colis que j'ai reçu, c'est un colis gourmand. Un colis bien-être, j'ai envie de dire. J'adore cette marque. C'est la marque My Muesli qui m'a proposé de collaborer une nouvelle fois avec eux. J'ai travaillé il y a à peu près un an et demi avec eux. J'avais découvert cette marque et j'avais adoré. Par la suite, je suis devenue moi-même cliente. Et là, j'étais super contente quand ils m'ont proposé de retravailler avec eux. Et ils m'ont envoyé trois choses, mais mon dieu, c'est trop bon. J'ai déjà goûté, donc comme ça je peux vous le dire. Vous voyez, c'est déjà à moitié, les enfants, Bastien, tout le monde a goûté. Ils m'ont proposé de recevoir un muesli comme ça, un tube de muesli personnalisé. Alors, j'entends par personnalisé, c'est aussi bien l'intérieur que l'extérieur. Donc j'ai moi choisi ce magnifique design. Il y a des dizaines de motifs, quoi, de designs différents. Je trouve que pour une idée de cadeau, par exemple, je sais pas, Saint-Valentin pour un chéri, une chérie, pour une copine, c'est génial. Parce que vous pouvez donc choisir le motif. Donc moi, j'ai pris des roses comme ça, très très jolies. Et j'ai fait mettre mon prénom dessus. Je sais pas si vous allez voir Megan. Et vous pouvez aussi mettre un petit texte derrière. J'ai écrit un muesli qui va me faire fondre et régaler ma petite princesse. Bon, sachant que mon mari et mes enfants ont déjà tapé dedans. Et en fait, j'ai pu aussi composer mon muesli à l'intérieur tout simplement. Donc moi, j'ai mis des flocons d'avoine, du crunchy avoine, des plaquettes yaourt, des mini biscuits cheesecake, des fraises et de l'amarante soufflée. Et ils disent aussi qu'il y a beaucoup d'amour. Donc voilà. Vous avez un muesli en fait vraiment personnalisé avec ce que vous aimez. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Vous trouvez ça nulle part ailleurs. C'est des produits qui sont vegan, qui sont bio, qui sont sans huile de palme, sans OGM. Voilà, je trouve le concept hyper intéressant. Ça fait plusieurs fois que je commande chez eux, comme je vous dis, et je suis vraiment à chaque fois ravie. Ils m'ont renvoyé aussi un de leurs starter kits comme ça. Donc ça, on n'a pas encore goûté. Bastien hésitait beaucoup hier. Il me dit, j'essaye quoi, le tien ou ça? Donc du coup, je trouve ça hyper sympa. Ça permet aussi parce qu'il y a tellement de choix en fait sur leur site internet que des fois on ne sait pas quoi prendre. Et en fait, ils font des kits comme ça avec 6 variétés qui nous permettent de déguster, je trouve, plusieurs parfums et de faire votre avis. Mais aussi, ce qui est sympa, c'est quand vous partez par exemple, ou si vous allez au bureau, si vous allez en week-end, d'emmener des petits pots comme ça. Voilà, vous êtes deux, vous partez en week-end, hop, vous donnez un petit pot pour vous et votre chérie. Et c'est pratique, vous ouvrez, clac, vous mettez votre lait, vous mangez direct dans le pot, c'est parfait. Donc il y a plein de saveurs différentes. Là, ça va être avec des framboises, ça va être avec du chocolat, des fruits, du cassis. Oh, ça doit être une nouveauté ça. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant. En plus, c'est pas très très cher ce petit kit là. Donc ça, vous le retrouvez sur leur site internet. Bien évidemment, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Mais alors, ils m'ont envoyé leur nouveauté. Mon dieu, ça fait mal. Mince, je vous le montre. Ils m'ont envoyé leur trio de pâtes à tartiner. Ils font ce coffret, c'est une nouveauté. Franchement, c'est trop bon. Donc c'est bio, comme je vous disais, c'est vegan. Et à l'intérieur, vous avez trois pâtes à tartiner. Donc celle-ci, on l'a goûtée. Oh mon dieu, les petits et Bastien m'ont dit c'est terrible. C'est amande coco, noix de coco. Voilà, amande noix de coco. Donc on a noisette chocolat et cacahuète chocolat. Donc j'ai hâte de goûter cacahuète parce que je trouve que ça peut être hyper, hyper sympa. Ça, encore une fois, comme je vous dis, pour un cadeau ou même pour vous, hein, c'est hyper bien. Je voulais vous montrer parce que je sais que c'est une super marque. Ils m'ont donné la chance de vous faire bénéficier d'un code promo de 10% de réduction sur votre commande. Je vous mets, il y a un lien en barre d'infos, vous avez juste à cliquer dessus et votre promo, quoi, votre code promo de 10% s'applique automatiquement sur votre panier. Donc n'hésitez pas, franchement, si vous voulez découvrir, si vous êtes déjà client et que vous voulez refaire une commande. Moi, je sais que ma soeur m'a dit, ça y est, j'ai utilisé ton code. Elle a déjà acheté ça parce qu'elle adore. Ils font aussi des porridge, ils font des tablettes
tablettes de chocolat. J'ai vu qu'ils faisaient aussi maintenant des préparations à gâteaux, des gâteaux citron. Ils font beaucoup de choses. Donc voilà, le site s'appelle My Muesli, comme je vous dis. Et voilà, si vous ne connaissez pas, allez voir, foncez. Et donc là, on va passer sur un tout autre registre. Le registre, on va dire, sentimental. Tout à l'heure, c'était le ventre qui parlait. Maintenant, c'est le cœur qui va parler. J'ai eu la chance d'avoir une abonnée en or qui s'appelle Léa, qui a une page Instagram. Attendez, j'essaie de vous montrer bien. Qui s'appelle Le Fil de Léa. Voilà, donc elle est sur Instagram et sur Facebook. C'est une petite créatrice, en fait, d'articles personnalisés pour les mamans, pour les bébés, pour les enfants. Vous pouvez choisir vraiment les coloris que vous voulez. Elle fait des produits aussi zéro déchet. Elle m'a gâtée. Je ne sais pas si vous voyez la couleur de ce qu'elle m'a envoyé, mais c'est magnifique. J'ai choisi les coloris et je ne regrette pas. C'est trop, trop, trop joli. Ça fait très longtemps que je voulais m'acheter un cocon pour les bébés. Vous savez, ça permet de réduire en fait l'espace dans le lit. C'est tout moelleux. Ils sont plus en sécurité. J'en avais pas pour mes grands. Et du coup, je dis, bah, j'avais mis ça sur ma liste de naissance pour la petite. Et du coup, elle m'a contactée, elle m'a proposé. Je trouve que c'est encore mieux de faire marcher des petits artisans, j'allais dire. Et de la faire connaître, et en plus c'est personnalisé. Oh, la matière, j'adore. Donc cette couleur, c'est une espèce de framboise vieux rose avec des petites étoiles dorées en double gaze de coton là. C'est magnifique. Le cocon, il est réversible. De l'autre côté, c'est tout doux, pilou pilou. Vous connaissez cette matière là. Oh, j'adore. Donc ça permet de, vous avez un lien ici, de resserrer. Hop, ça cache. Et vous pouvez, c'est réversible en fait. C'est livré avec une petite couverture. Enfin, c'est pas une couverture, mais c'est un petit truc de fond. Donc on peut mettre dessous. Et voilà, c'est double face aussi. Enfin voilà, la qualité, c'est très très bien fait. Franchement, c'est bien rembourré. Voilà, vous pouvez aussi faire broder si vous avez envie. Voilà, pour un cadeau, pour vous faire plaisir. Franchement, elle a plein de choix de couleurs et elle se débrouille super bien. Comme elle m'a dit qu'il lui restait des chutes, elle m'a proposé d'autres articles. Elle m'a dit, je te mettrai avec les chutes, voilà, d'autres petites choses. Et c'est magnifique encore une fois. Donc, elle m'a fait un énorme cube comme ça. Voilà, un petit cube en mousse pour les bébés. En tissu que je trouve magnifique aussi. Le petit attache tétine. Dans les mêmes coloris, toujours très 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 joli. Voilà. Et alors coup de cœur sur ce petit hochet lapin là, ce petit anneau pardon, c'est pas un hochet, j'ai des bêtises, c'est un anneau. J'adore, franchement j'adore. Bon du coup je vous retrouve un peu plus tard, il va être 18h, on est sur le moment des devoirs. Donc là on est dans la dictée, nous sommes à la liste 18. Un voisin c'est fait ? Oui. Il peint. Et soudain, réfléchis bien, est-ce que je vois une faute d'ici? Non. Non c'est pas un E, c'est un E. Ouais, mais je crois que, bon, on verra. Et c'est soudain. Quoi, c'est il au pluriel? Il peint, non. Soudain, peut-être que je vois mal d'ici, peut-être que je vois mal, mais vas-y. Et soudain. M'écrive après les chiffres de 1 à 10. Ça, c'est pas demandé, mais c'est maman. Je veux voir si tu les sais bien. Bon, ça fait du bien de refaire des choses un petit peu. Ok. Et je vous montre un petit peu l'agenda de Maë. Presque tous les soirs, on a droit à des petits mots d'amour. Regardez. Donc là, c'était vendredi. Avec des petits dessins, hein, des représentations aussi. Voilà. Alors moi, des fois, je lui mets des petits mots aussi. Là, on en avait beaucoup, hein. Hop, des petits cœurs, des petits trucs, on a droit à des mots, c'est trop mignon. Je sais pas jusqu'à quand ça va durer, jusqu'à l'éternité, il y en a beaucoup hein, et c'est souvent. Hein. Je vous montre qu'il y en a combien? 23 messages. Oh là, message. Oh, oui, je sais. T'as écrit massage, je sais pas quoi. C'est pas grave mon amour, c'est pas grave. Bon, je vous reprends vite fait, on est vendredi, donc ce soir c'est enfin le week-end. Je suis en train d'ouvrir un énorme colis que j'ai reçu, ça a été hyper rapide. On est vendredi, j'ai commandé jeudi matin sur le site de Mano Mano une étagère. On est vendredi matin, je suis livrée, c'est un truc de dingue. Donc voilà, donc là c'est une belle étagère, oh, elle a l'air magnifique. Je vais la mettre par terre pour vous montrer, murale. En plus, j'ai trouvé sur plein de sites cette étagère. C'est l'étagère Bali.
qui fait 46 cm de diamètre. Sur plein de sites, j'ai trouvé beaucoup plus cher. Et sur Mano Mano, elle était vraiment moins chère. Oh, elle est magnifique. Hein. Elle est hyper solide. Je pensais que c'était beaucoup plus... je sais pas, ça a l'air vraiment de la bonne qualité. Elle est trop trop belle. Waouh, j'adore. Je vais aller la mettre. Bah, avec mon tas de... le truc dans ma chambre, j'en peux plus, j'ai trop d'accessoires, j'ai trop de trucs, ça déborde, il faut que ça parte. Mais je sais pas si vous voyez l'ensemble de toutes ces couleurs, ça va être magnifique la chambre. Je reçois demain normalement le colis Maison du Monde avec le ciel de lit qui devrait être à peu près dans cette couleur, ou je sais pas exactement, j'irai plus cette couleur. Je sais pas si je vous avais montré cette petite merveille aussi. J'ai acheté ça sur le site d'Histoire d'Ours. Attendez, hop. C'est trop trop beau. C'est une petite peluche. Elle fait 30 cm je crois. Cygne qui se pose comme ça. Trop beau. Trop trop beau. Bon, je vous reprends en direct de ma salle de bain. Il est 15h10 et vous voyez, je ne suis pas encore préparée. J'étais vraiment pas très bien ce matin, fatiguée, je me suis réveillée à 5h du mat encore une fois. Du coup, hop, j'essaie de mieux cadrer, du coup j'ai très mal dormi et j'étais HS. Heureusement que Bastien était là ce matin pour emmener les enfants à l'école. Mais voilà, donc du coup j'ai traîné toute la matinée, bon, j'ai quand même rangé un peu ma maison, j'ai fait 2-3 choses, j'ai eu le temps de faire un montage vidéo et tout. Mais là je me bouge, voilà, je suis partie, je vais aller me faire un petit masque parce que j'en ai... Là clairement quand je vois ma tête, je fais peur. Je me suis acheté une nouvelle couleur, donc je pense que pendant les vacances, la semaine prochaine, je vais tenter. Je vais vous montrer la couleur. J'ai pris ça, Perfect Mousse, j'en ai pris deux. Et alors là je vais tenter une couleur, hein. On part sur un truc un petit peu plus acajou, voilà, mahoni, on va voir, j'en sais rien, je sais pas ce que ça va donner. J'ai pris deux flacons parce que vu l'épaisseur que j'ai, ça va pas être j'ai pris deux flacons parce que vu le volume, ça va pas être de trop, hein. Donc voilà, petite princesse est là, donc je vais prendre un petit peu soin de moi et puis après je vais aller chercher les garçons. Je pense que vu qu'il fait très très beau, je pense qu'on va aller faire une balade. Oh mon bébé, elle bouge là. On va aller faire une balade autour de la maison. Ça fait longtemps qu'il me demande, mais à chaque fois, bah, il fait pas beau ou alors je suis KO. Donc là, on va sortir ce soir et puis voilà. Et ce soir, on se fait des hot dogs. Bastien finit à 20h. Et après, je vais me plaindre parce que je vais prendre 20 kilos, mais c'est pas grave. Donc ce soir, c'est hot dog et on se fait une soirée ciné. On regarde un film, je sais plus ce que c'est. Bon, du coup, je vous reprends plus tard avec les casse-cou qui descendent l'allée avec les skateboards. On a mis des tours de cou parce que le soleil commence à se cacher et il y a un petit peu de vent. Du coup, voilà, on est parti se balader. On va aller voir s'il y a les ânes vers chez nous. Je suis en pleine séance de maquillage. Attends, mon petit cœur. Et du coup, j'avais acheté une petite palette de maquillage pour enfants. C'est quoi, parce que les garçons, ils adorent s'occuper de moi. C'est quoi pour yeux? Et des pinces que j'ai fait. C'est quoi pour yeux? Ça, c'est pour les lèvres, mon cœur. C'est pas pour les yeux. C'est le bâton qu'il a, Arthur. J'avais acheté un petit kit. Et du coup avec des pinces et tout. La pâte avant gauche et vous attaquez celle de l'été avant.
Et du coup, voilà, je suis en train de me faire maquiller, je vais ressembler à rien. Mais c'est quoi que tu... Là, ça se met sur les yeux normalement, ça, Arthur. Le bleu, waouh. Donc voilà, et des belles petites pinces. Je joue à la princesse. Je suis la princesse. Je suis sur le canapé, hein, parce que là, je suis claquée. Mais il y aura un bon démaquillage. Et dire que j'ai fait un bon soin cet après-midi et tout. Tu vas pas mettre d'autre côté plutôt? Et à la télé, on est en train de regarder un reportage animalier. Ah, t'as vu Maë? Sur les animaux en fait, c'est un reportage sur un zoo à Disney, c'est super bien. Ils sont en train d'opérer, là on voit tout en direct. On va loin là. Qu'est-ce que t'es en train de me faire, Titure? Exactement comme pour les enfants. Ah, je vois plus rien. Attends, attends, tu peux te taper comme ça. Ces animaux mal aimés sont au cœur de différents programmes éducatifs. Ici au parc, mais... On a rebouché les petits défauts. C'est quoi qu'il y avait là-haut là? C'est la macro-coche en mini-scotch. Ah oui, d'accord. Pour que ça soit parfait, mais c'est très bien. Là, il y avait des chevilles, et c'est pas mal. Tu vas refaire un petit coup ce soir, et puis comme ça, ce sera nickel pour demain. Alors, je sais que vous adorez cette fresque, nous aussi. Hein. Ça aurait été un garçon, on n'aurait pas enlevé les montagnes. Bon, du coup, on va pas manger de bonheur parce que Bastien, donc il est 20h15 et il est en train de faire son enduit. Et les garçons, je leur ai demandé de faire un temps calme parce que je me suis dit qu'avec la balade qu'on avait faite, ça allait les calmer. Mais en fait, ils étaient pas du tout calmes. Enfin, Evan, si, mais Maë et Arthur commençaient à s'énerver devant le documentaire animalier. Donc, on a arrêté la télé. Et puis, même si j'aurais bien dormi devant moi. Et là, ils sont en train de faire des Legos. Dans la chambre, des grands. Tu fais quoi, mon tuteur? Toi, tu fais des Legos? T'en fais pas souvent des Legos, toi, mon amour. Tu fais Star Wars? Qu'est-ce qu'il fait, Evan? Bon, du coup, préparation des hot dogs, je vous montre. Parce que souvent, vous me demandez ce qu'on utilise. Donc, d'habitude, je prends des cheddar en tranches, du gros cheddar, là, mais il n'y en avait pas. Donc, on prend aussi le râpé. Ouais, parce que ça tient pas bien. Donc les pains hot dog, bacon, en fait on prend la poitrine, je trouve que c'est ce qu'il y a de meilleur. Le vrai bacon c'est ça, poitrine fumée. Normalement les hot dogs ça se fait avec des saucisses de bœuf, c'est ça? Mais si, ça se rappelle pas les saucisses new-yorkaises, c'est des saucisses de bœuf? Oui. Voilà, bah, celle que tu as trouvée là, au magasin c'est bœuf. Mais là on n'a pas pris des saucisses de bœuf, on a pris des grosses knackis pour nous. Les knackis grillés et des plus petites pour les garçons. Avec des potatoes qui sont prêtes. Et là, on va. On fait chauffer les saucisses. Oui, on a fait chauffer les saucisses avant. On a fait cuire le bacon avant. Et là, on va napper de cheddar. Donc, c'est pas du tout light. Hein. Je veux dire, c'est très calorique. C'est pas du tout light. Bon, du coup, voilà ce que ça donne. Ces petites frites-là, elles sont terribles. C'est des potatoes. La marque, je sais plus. C'est un sachet blanc et rouge. Là, c'est à la graisse de canard et au persil. Non, mais c'est une tuerie. C'est trop, trop bon. Good morning tout le monde, on se retrouve samedi matin, on est en train de faire des pancakes rigolos. Donc chacun a choisi son dessin. Bon, Maë a choisi un emoji crotte, voilà. Arthur un cœur et Evan un papillon. C'est rigolo, donc on va continuer un petit peu les pancakes. Hop, allez c'est parti, on continue. Il est en caca? Mais non, on a... Tu l'as fait un peu gros mon cœur, j'aurais peut-être pas assez de pâte pour tout recouvrir, c'est pas grave. Oh non. Et quand vous retournez, bah, ça donne un petit bonhomme. C'est hyper facile. Waouh. C'est bon les pancakes, le pancake crotte, comment il est? Il a pas de goût, ça va? Et toi, c'est un poisson? Bon et nous, papa, on se fait plaisir, hein, petit croissant. Bon, ce matin, on a fait un atelier créatif. On a fait des couronnes d'indiens. Eva n'a pas voulu en faire, donc il n'y a que Maë et Arthur. Des petites fleurs.
des poissons, des espèces de petits poissons. On a peint les assiettes. Voilà, ce matin, on s'est occupé. Donc là, il est déjà presque midi moins le quart. Donc je vais m'attaquer au repas. Et voilà, Maï a fait un pendentif, je sais pas trop quoi. Elles sont trop belles, vos couronnes, hein. On dit, qui dit atelier créatif dit rangement, parce que moi ça du coup je le fais pas dans mon salon, parce que du coup sinon mon tapis il est dans un étal, vous avez compris, hein, entre les paillettes et tout. Donc du coup nous on se met dans le bureau, on se met par terre, on a des grandes protections comme ça. Et aussi vous voyez pourquoi je vais pas dans le salon, parce qu'on a fait de la colle chaude et là je vais attendre que ça sèche, je vais pouvoir tout gratter. Mais voilà, ça on se met dans le salon, dans le bureau en général. Bon allez, ce midi j'ai envie de cuisiner. Bon il est midi déjà, mais je veux dire on a mangé tard, donc on mangera que vers 13h, 13h30. J'ai eu à Noël un plat à tagine qui va sur les plaques à induction. Donc ça j'ai toujours voulu en faire. Quand on est parti à Marrakech, on a mangé des tagines délicieux. Je suis pas sûre d'arriver à faire la même chose, mais du coup voilà, donc il est très joli, c'est un beau tagine. J'ai gardé la boîte, je sais pas si je vais la garder, mais je veux vous montrer. Donc c'est la maison Pradel, voilà, donc celui-ci. Tagine en fondre, la couvert céramique, anti-adhésif. Et ça va exprès sur les plaques à induction, ça fait le gaz et tout. Hein. Je crois que le Papa Noël m'a trouvé ça sur Amazon, je crois. Donc voilà, on va tenter cette petite chose-là ce midi. Donc voilà, je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble. Let's go! Bon du coup je sais pas du tout si je fais bien, je suis désolée s'il y a des Marocains ou des Tunisiens ou je sais pas qui me regardent, qui doivent se dire que c'est pas du tout ça, mais c'est une première. Hein. Du coup n'hésitez pas à me donner vos conseils. Visuellement je sais que ça ressemble à peu près à ça, après je ne sais pas, on va voir. Et du coup pour le dessert, je tente une première, j'en ai jamais fait. C'est des chichis quoi, des churros maison. Et regardez, ils sont trop beaux. Bah, ma foi, je suis plutôt contente parce que regardez, ils ont l'air trop bons. La recette, si vous me demandez, je l'ai prise sur la chaîne de l'atelier de Roxane. Hop. Alors j'ai pas de friteuse moi, hein. Voilà, je suis pas fan de tout ce qui est un petit peu frit, enfin, les friteuses comme ça. Donc du coup j'ai pris une casserole tout simplement avec de l'huile de tournesol. Faut prendre de l'huile neutre, hein. Pas de l'huile d'olive, hein. Faut de l'huile de tournesol. On essuie ça sur un sopalin et après on fait tremper dans le sucre. C'est la première fois que j'en fais. Hein. Moi, à ma foi, je suis plutôt contente. C'est plutôt pas mal. Je vais remettre un petit peu de persil dessus avant de servir. Et ça sent bon. Maintenant, je ne sais pas si ça aura le goût d'un vrai tagine. Je ne pense pas parce que je ne suis pas une professionnelle. Mais ça a l'air pas mal. En tout cas, ça sent très bon. Bon, du coup, je vous reprends avec ma tête du dimanche, hein, je suis désolée. Je vais clôturer ce vlog ici. Bon, voilà, on s'est couché assez tard hier soir, on était invités. Voilà, donc du coup, on est dimanche. Je me suis pas maquillée, on est resté un peu en mode pyjama. Mais j'étais assez productive aujourd'hui, comme vous avez vu. Ce matin, j'ai fait mon grand ménage. Activité avec les enfants, on a fait pas mal de petites activités. Après, cuisine, le couscous. Le tagine était délicieux. Et les chichis aussi, donc c'était une grande réussite. Voilà, bon, ma tête, c'est on n'en parle pas, hein, voilà. Et grande surprise, on a été livré aujourd'hui. On est dimanche et on a des livreurs de colis qui passent. Donc, je me dis, c'est dingue, bientôt on sera livré tous les jours. J'ai une amie à moi, Elodie, qui a été adorable, qui m'a fait livrer deux cadeaux sur ma liste de naissance. J'ai fait ma liste de naissance, si vous me demandez, sur Amazon, je trouve ça hyper pratique. Il y a beaucoup de gens qui commandent sur Amazon. En plus, on peut se faire livrer directement. Enfin, les gens commandent et c'est directement livré chez moi. Quoi. Je trouve ça hyper pratique, je trouve. Donc, et en plus, Amazon, s'il y a des problèmes, on peut facilement renvoyer. C'est top. Je vous montre. Je vais clôturer sur ces petites pépites que j'ai reçues qui sont trop mignonnes. Ouais. C'est des petits jouets, alors c'est pas en bois, hein. Moi j'ai commandé quelques petits hochets et tout en bois, mais là c'est en plastique, mais je trouve ça tellement, ils sont tellement mignons. Regardez, c'est des formes un peu sympas, des couleurs toutes douces. Vous avez une petite voiture rose, là vous avez une petite baleine. C'est tout pastel, c'est trop choupinou franchement. Voilà, les coloris sont adorables. Le petit lapin, petit cœur. Franchement c'est trop mignon, c'est que des petits coloris très très jolis. J'aime beaucoup, donc c'est du plastique, mais voilà, moi ça ne me dérange pas. De toute façon, il y a du plastique dans beaucoup de choses dans notre vie du quotidien. Mais voilà, je vous dis, j'ai commandé quelques petits trucs en bois au niveau de la dentition et tout ça.
Mais là, et je trouve ça hyper bien que ce soit hop, arrangé dans une petite valise comme ça. Donc voilà, si vous me demandez, ça vient d'Amazon. Et puis elle m'a pris cette petite veilleuse. Je l'ai beaucoup vue, il y a beaucoup de... Elle est très vendue cette petite veilleuse. Je l'ai vue sur la... D'ailleurs, moi c'est Shera que je regarde qui attend un bébé, qui a acheté ça pour son bébé sur YouTube. J'ai vu ça et c'est une petite veilleuse poussin. Elle est trop mignonne. La couleur c'est nude, hein, c'est crème marronnée. Là elle n'est pas branchée donc je peux pas aller, quand elle n'est pas branchée elle n'a pas été chargée. Ce qui est sympa c'est que c'est tout mou ici. Voilà, et ça permet de faire un peu de lumière dans la chambre. Mais je me suis dit qu'aussi pour la mater ça serait super bien parce que du coup ça évite la nuit d'allumer les grandes lumières et tout, et on peut modifier la brillance et tout, donc je trouve ça hyper bien. C'est des trucs qui sont un peu, vous savez, culbuto là. Et voilà, au lieu d'allumer la grande lumière la nuit, bon, on peut allumer cette petite lampe, c'est vachement plus pratique. Et après, je trouve que c'est très joli en déco et dans la chambre de bébé, ça sera parfait. Et les coloris sont vraiment sympas. Donc du coup, voilà, elle a été gâtée cette petite encore. Donc du coup, hop, ça retourne là-dedans. Et donc du coup, bah, merci Elodie, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai fait ça sur plusieurs jours, comme ça, ça me permet d'avoir plus de contenu à vous proposer. Les vlogs sont plus longs, mais je trouve que c'est un peu plus riche. Voilà. Je vous fais des gros bisous et ciao, à bientôt.